Le Conseil national des exportations de Côte d'Ivoire, en abrégé CNE, en collaboration avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Bassa-Sandra, a récemment organisé son 4e séminaire d'information et de partage d'expériences entre les acteurs du secteur financier et les entreprises exportatrices ivoiriennes. Objectif, donner la vision globale et technique des offres, des services et produits financiers, ainsi que des besoins en financement des entreprises exportatrices. Le Conseil national des exportations, CNE, avec l'appui financier de la COPEC, a organisé un atelier de formation. Il s'agit du programme à la compétitivité et à l'intégration régionale, PACI 2, et du projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation, SNE. Ce sont au total 100 participants issus des entreprises exportatrices des filières prioritaires de la SNE, des acteurs du système financier, banques, assurances, structures de microfinance, structures nationales d'appui au financement des entreprises, des fêtières qui ont participé à cet atelier de formation. Notre présence à San Pedro est un constat simple. Des analyses qui nous reviennent de nos partenaires de l'APBF est que nos banques et institutions de microfinance sont surliquides. L'autre constat est que nos exportateurs, nos premiers exportateurs, sont en manque de financement. L'idée était comment faire pour mettre en adéquation les besoins en financement et les besoins en partenariat, justement, en clientèle. Il y a des accords qui vont être effectués entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et cela demande une mise à niveau des entreprises et des exportateurs. Il faut rappeler que l'Union européenne a contribué sur le financement de la composante nationale du programme indicatif régional 11e FED, une convention de financement dénommée Programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PACI 2.